Bonsoir à tous, c'est l'un des smartphones les plus attendus de l'année 2018, le Galaxy S9. Il sera dévoilé si tout va bien prochainement au Salon Mobile World Congress de Barcelone. Alors à quoi ressemblera-t-il ce smartphone tant attendu On va lever un coin du voile ce soir dans 01 Live Hebdo avec Raphaël Grably. Un logiciel qui peut coller n'importe quel visage sur n'importe qui dans une vidéo. Oui, c'est assez effrayant. Euh, vous imaginez le pire. Et en plus, le pire existe. Hein. Ce sont des vidéos pornographiques avec des actrices américaines à l'intérieur. Ces vidéos, vous ne les verrez pas ce soir, rassurez-vous. Mais en revanche, Éric Le Bourlou va nous expliquer comment fonctionne ce programme. Au sommaire également de Zéro à Live ce soir, le labo. Les spécialistes du labo ont reçu plein de nouveaux joujoux qui sont en train de tester. Alors on va parler d'un smartphone, le HTC U11 qui est entre les mains de Raphaël Grabli. Vous découvrirez également le nouveau PC portable XPS 13 de Dell, la nouvelle version. Et puis, et puis, et puis on parlera d'une batterie. Alors une batterie dit comme ça, ce n'est pas forcément hyper excitant, sauf que celle-ci a véritablement quelque chose de nouveau. Elle fonctionne au graphène, un matériau plein d'avenir. Et on verra ça tout à l'heure avec François Benin. Voilà, c'est 01 Live Hebdo, votre débrief high-tech hebdomadaire. Comme d'habitude, vous pouvez interagir hein, sur Twitter, hashtag 01 Live, ou bien euh, sur YouTube, on est ensemble pour 30 minutes. Il est 18h passé de 1 minute et c'est parti. Voilà, et comme d'habitude, la question 01-Net Orange du jour, le petit sondage qu'on soumet à votre sagacité. Il porte sur le Galaxy S9 ce soir, c'est logique qu'on va en parler. Qu'attendez-vous le plus sur ce Galaxy S9 Alors, est-ce que c'est un nouveau design, un nouvel appareil photo, une nouvelle intelligence artificielle ou bien, ou bien, est-ce tout simplement la prise Jack Puisque Raphaël va nous le dire dans un instant, et il y aurait des rumeurs peut-être de disparition de la prise Jack. Suivez mon regard, on ne sait pas d'où leur vient cette drôle d'idée. Mais apparemment, c'est peut-être des choses qui peuvent arriver. Pour voter, tv.com Salut Raphaël Grabli. Salut Jérôme. Ça va bien ben Super. Bon, donc dans quelques semaines, euh, le 25, c'est ça 25, Le 25, euh, 25 février, on va dire. Euh, on n'a pas l'heure, mais je dirais 18 h heures. Ouais, ça. Je, crois, je crois que c'est quelque chose dans ce goût-là. À Barcelone, ouais. euh, à Barcelone donc on aura en... la grande conf de Samsung. Voilà, hein, donc en ouverture du Mobile World euh, Congress. En ouverture hein, est et ça. quasiment en seule star, parce qu'il n'y euh, aura oui. pas Huawei, LG, on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire. Euh, bon, il y aura Sony. Euh, ouais, voilà, mais elle, euh, la place est libre pour les... Samsung Voilà exactement Bon euh, alors je me souviens que l'année dernière à cette époque là on fantasmait euh, bah sur, le sur le S8 évidemment Mais ça c'est la, la dure loi de la high tech ça ne s'arrête jamais Donc ce S9 bien qu'il ne soit pas encore officiellement dévoilé on a déjà plein d'infos ouais. On sait déjà un peu à quoi il va ressembler Alors hein. franchement on sait quand même à peu près tout euh, parce qu'il y a eu des ligues, comme d'habitude. Alors, ils ont été un peu plus, plus tardifs, euh, peut-être, que l'année dernière. Mais il y a un journaliste américain, en fait, qui s'appelle Evan Blass, euh, qui a, en gros, des contacts assez bien placés euh, avec, des, on va dire, les, les agences de com, etc. Ouais. Donc, en gros, il y a tous les visuels officiels qui lui passent entre les mains avant que ça arrive, évidemment. Euh, aux yeux du grand public. Donc avant les annonces, il a balancé en fait les designs euh, des Galaxy S9. Donc et... ça, on peut dire que c'est quoi C'est quasiment officiel bah, C'est ce qui va être officiel en fait, euh, ouais. probablement. On va dire qu'on a allez, euh, 9 chances sur 10 que ce soit le cas. En fait, si on se réfère à ce qu'il a fait par le passé, à chaque fois, euh, il a eu bon. Euh, sur les trois dernières années, il a eu bon quasiment à chaque fois. Donc euh, on va dire que c'est ce qui devrait quand même être les, les, les photos officielles. Donc ça, c'est le S9. Et il y aurait le S9. Alors, il y a beaucoup de choses qui vont pas changer déjà sur la question orange. Mm -hmm. En gros, à part l'appareil photo, euh, ceux qui ont répondu euh, autre chose, ils vont être ouais. un peu déçus. Parce que il va être quand même très proche euh, du S8, c'est-à-dire ouais. euh, avec le design. On le voit à l'écran, euh, quasiment le même écran, c'est-à-dire avec deux déclinaisons, 5,8 pouces et 6,2 pouces. L'écran mm -hmm. forcément bord à bord. Même avec proportion d'écran. Des... Euh... Même proportion panoramique c'est-à-dire en gros 18 9e ou 18 et demi 9e avec une résolution QHD, etc. Euh, la connectique, ça a priori, ça ne va pas trop bouger, c'est-à-dire en gros de lusb évidemment. Mm -hmm. Et non, alors la prise jack, a priori, ce serait... Ah, alors la prise jack. A priori, il la garderait euh, pour se différencier d'Apple. Alors moi, je suis très content hein, parce que ouais. je trouve, euh, ça m'insupporte, moi, les, les smartphones sans prise jack. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi on enlève <laughs> une prise jack alors que ça marche très bien avec. Donc c'est juste un choix si en faire moins. plus plat, plus, plus fin bon, pour gagner de la est, place. Est-ce que, est que ton iPhone 10 ben est non. plus plat que... voilà, <laughs> non, bon, bah, voilà. Je, sais, je sais pas, qu'est-ce qu'ils ont mis au, parleur, non, à la au place, non, bon, ouais, non, mais c'est bien, mais bon, personnellement, moi, je préfère avec une prise jack. Par contre, ce qui devrait changer, il y a quand même pas mal de choses. Bon, il y a le processeur. Ça va être le processeur le plus puissant, comme d'habitude, le Snapdragon bon, aux États-Unis. Voilà. Hein. Alors en France, on aura un Exynos. Mais quand même, si on regarde la cadence de l'Exynos, des cœurs les plus puissants, on passe à 2,9 GHz. Oui. On était à 2,3 GHz l'an dernier. Donc ça fait quand même un, un gap, un écart assez important. Donc peut-être qu'au niveau de la puissance, on aura une bonne surprise et qu'il euh, va exploser tous les benches. Donc ça, ce sera vraiment à suivre. Bon, il est déjà quand même. Enfin, non, mais le, 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 le S8 est, le S8 est, déjà... est, est, est très puissant. C'est le haut du panier. Mais vu l'écart qu'il y a euh, en termes de processeurs, il faudra vraiment voir sur les benches. On pourrait vraiment euh, atteindre encore des nouveaux sommets. Enfin, on va atteindre des nouveaux sommets, mais il faudra avoir l'écart. Ça pourrait être assez impressionnant. Il y a forcément un nouveau système, enfin, probablement un nouveau système de reconnaissance faciale. L'année dernière, euh, on va dire que c'est Samsung qui, mis, qui, avait mis, euh, au goût, enfin, qui avait remis au goût du jour mm -hmm. la reconnaissance faciale. Sauf que euh, c'était un système qui n'était pas du tout infaillible, avec Apple derrière qui a montré euh, quelque chose de plus, euh, on va dire de plus protégé, avec de l'infrarouge, etc. De voilà. Euh, donc là, Samsung pourrait se calquer un peu sur Apple. En jouant à la fois sur le capteur photo à l'avant et sur l'infrarouge, pour vraiment qu'on puisse verrouiller de façon sûre son smartphone. Donc avec de la reconnaissance 3D, ça exactement. Probablement avec de la reconnaissance 3D. Donc en gros, pour que le S8, euh, le 9 soit aussi sécurisé bah, que l'iPhone 10, et l'enjeu derrière, c'est de pouvoir payer en fait avec ça. Hmm. Euh, donc faudra voir, mais a priori, peut-être un système qui s'inspire de Face ID d'Apple. Mais le plus gros, euh, la plus grosse évolution, ce sera le capteur photo. Euh, D'ailleurs, euh, sur leur teaser, Samsung ont mis... Euh, L'appareil photo réinventé. Donc, on sait déjà qu'ils vont miser à fond sur l'appareil photo. En même temps, il n'y a que ça. Et parce alors, on que... sait un petit peu ce qu'il y aurait de, de, de vraiment alors, nouveau à ce niveau-là Sur le S9, euh, la plus grande différence, ce serait l'ouverture qu'on pourrait paramétrer entre 1.5 et 2.4. En fait, 1.5, c'est vraiment pour la basse lumière, pour capter, euh, ouvrir le diaphragme au maximum et capter davantage de lumière. Mais euh, le fait de diminuer le, le diaphragme et l'ouverture, ça peut avoir un intérêt aussi. Quand on est en plein soleil, par exemple, quand on a beaucoup de lumière, c'est bien de pouvoir repasser à 2.4 et ça permettrait d'avoir un meilleur piqué. Donc le fait de pouvoir jouer sur l'ouverture comme ça, ce serait complètement nouveau. Alors hmm. ça existe déjà sur un, un smartphone Samsung qui est sorti euh, en Corée du Sud cet hiver, mais qui n'est pas du tout commercialisé euh, en Europe. Et donc ça pourrait être le premier de la gamme Galaxy à avoir cette possibilité. Après, bon, c'est difficile de faire, de faire mieux que le Galaxy S8 quand même. Il a bah, dû se retrouver se... face à un, une espèce de, pro bah, de problème. Le Galaxy S8 on en est quand même photo il est, il déjà. est assez exceptionnel. Euh, oui. va falloir garder aussi cette rapidité parce que ce qui est assez impressionnant dans le S8, c'est vraiment la rapidité pour prendre des ouais. photos. C'est juste stratosphérique. Donc si on arrive à garder cette rapidité, à être encore un peu meilleur en basse lumière. Et encore un peu meilleur dans de, on va dire, en plein soleil. Oui. oui. Mais c'est vrai qu'il n'y aura pas d'effet waouh, je pense, cette année. Ça va être, on va dire, un smartphone itératif, comme à mon avis, beaucoup de smartphones. C'est-à-dire que ce sera comme oui, ça 17. va pas être la claque non, finalement Barcelone La claque qu'on l'a eu l'année dernière, Et oui. la claque on l'a eu avec l'écran 18 e qui maintenant est devenue la référence. Mmh. Tout le monde fait du 18-9e, ça n'existe plus de ne plus en faire, Bon, à part Sony mais j'espère ouais. qu'ils vont s'y mettre pour eux quand même. Donc vraiment euh, ça va être, pas le Wahoo, mais ça va être l'année qui va servir à perfectionner un petit peu tout. Le S9 ça va être un symbole de tout ça je pense. Mais yeah. c'est intéressant aussi, je trouve, d'aller un peu plus loin. C'est de temps en temps, il faut marquer un palier comme ça pour travailler sur ce qu'on sait faire. Bien sûr. Et alors, Raphaël, question Bon, euh, combien va-t-il coûter ce Galaxy alors, S9 Oui, alors, juste justement, parce qu'on parlait du S9 et mmh. c'est ça qui va être un peu euh, différent c'est que le S9 aura un double module caméra. Euh, c'est-à-dire pour le mode portrait, comme celui du Note 8, probablement. Et c'est là où c'est une stratégie à la Apple c'est-à-dire qu'on aura le S9 avec un seul module caméra et mmh. le S9 avec deux modules caméra. Donc quand on aura le S9, on n'aura pas tout ce que sait faire Samsung en matière de photo. Et c'est là où le prix va être assez intéressant parce que... Il y a plusieurs rumeurs qui évoquent une hausse de prix assez importante. Notamment, il y a un opérateur britannique. Enfin, il y a une source en ah, tout cas mais qui mais C'est vrai qu'il n'était pas très cher, hein, donc bah on oui ça de 800 euros. Voilà, vous mettez un à côté de l'iPhone pour, 10 à 1000 euros. Hein ah, <laughs> par rapport à l'iPhone oui, 10 à 1300 euros. C'est quoi, 40% moins 30% ouais, mais moins et en plus, ça les gratouille Samsung depuis longtemps. Bah hein, voilà. D'aller comme ça de plus en et, plus vers le. Mais, et, et le problème, c'est que donc selon la, la source qui travaille pour un opérateur britannique, il pourrait y avoir 100 livres de plus, c'est-à-dire en gros 110 euros de plus. Ça nous donnerait un S9 à 920 euros et un S9 Plus à 1020 euros donc ce sera ouais. quand même des prix très importants aussi, et aussi, à 920 euros unique, hein. oui mais à 920 euros on n'aura même pas donc, le double module caméra donc si ça se vérifie euh, ce serait quand même assez euh, étonnant enfin personnellement moi je préfère, ça assez dommage de ne pas avoir le double module caméra à ce prix-là à là, il doit être euros. en train de plancher au service marketing bah de pour Samsung voir. pour voir Alors, attendez comment on positionne après, parce qu'en plus il y a le Galaxy Note hein, là, Oui, qui, donc qui... ça veut dire que, que voilà le Galaxy Note il est sorti à un peu plus de 1000 euros mais si le S9 Plus il est à 1000 et quelques c'est à dire que le Note 9 derrière ils vont le faire à 1100 euros donc au prix de, de, de premier ouais, iPhone 10 ouais. après ce ne serait pas euh, impossible c'est vrai que ce sera un petit coup dur, mais après, la stratégie de Samsung depuis euh, l'année dernière, c'est quand même de garder ses anciens smartphones et d'en faire, comme Apple d'ailleurs, mm -hmm. d'en faire euh, des smartphones d'entrée de gamme. C'est-à-dire que là, on a vu le A8, il garde le A3 et le A5. Mm -hmm. et le S7, l'année dernière, est resté en gamme comme premier prix. Là, le S8, en fait, ça peut être aussi tout simplement, euh, ils vont ouais, il va ils descendre, il va descendre 200 euros, mais mmh. le garder en gamme et en faire le premier prix. Donc vraiment une stratégie à l'Apple. Donc si Samsung fait une stratégie à l'Apple, ben, les prix vont grimper. Ouais. Voilà. Bon, ben bah voilà, mauvaise nouvelle, mais enfin, bonne nouvelle pour l'innovation. Bon, on n'est pas, pas encore euh... sûr, hein, on va attendre. Effectivement, on va attendre donc le 25 février, date officielle de l'annonce de ce On y sera, nouveau... évidemment. Et oui, on y sera bien sûr, puisque le mauvais Congress, bien entendu, ce sera à vivre sur 01net.com et en vidéo en direct sur 01nettv.com puisque nous serons euh, en live euh, à deux reprises à deux occasions à Barcelone. Merci beaucoup Raphaël Grabli. Ben merci à toi. Et de, 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 tout de suite on parle d'un logiciel étonnant qui permet de faire des images euh, complètement euh, complètement fake mais auquel vous n'avez on n'est pas encore habitué mais ça pourrait vraiment presque changer la face du monde. Salut Eric Le Bourlou. Salut. Bon, c'est vrai, j'emploie des grands mots, changer la face du monde, mais ouais, pourquoi pas, ouais. hein, quand même, ouais, c'est ouais. assez sidérant. Ouais. On a pu voir, à condition d'aller fouiller un petit peu ces dernières semaines, notamment sur le forum américain Reddit, on a Ça pu fait. voir des vidéos, alors c'est des vidéos un peu coquines qu'on ne peut pas vous montrer ce soir. Oui, Sinon, on est, a une est chaîne fait, grand public. Euh... Alors, il n'y a pas que des vidéos coquilles. Il n'y a hein, pas que, mais, que des vidéos coquilles. C'est principalement, effectivement, des vidéos, y a quand même beaucoup des vidéos, de vidéos pornographiques. Et ouais. avec des visages de, de stars connues. Oui, alors, c'est un nouveau, un nouveau hobby de certains internautes. Hein. Y en a, ils sont toute une petite communauté. Depuis, ça, en gros, c'est depuis deux mois, depuis le début de l'année, qui s'amusent à faire ce qu'ils appellent des deepfakes. Mm -hmm. euh, en fait, qu'est-ce que c'est Ce sont des vidéos pornographiques. Euh, mais ils changent la tête de l'actrice qui joue dans le ouais. film X pour le remplacer par, la, par celle d'une star. Euh, ça se faisait déjà en photo Swift. Oui, ça s'est fait beaucoup en photo, Voilà, mais maintenant, on a des outils qui sont accessibles facilement qui permettent de le faire en vidéo et le plus dingue dans tout ça, c'est que c'est très crédible. Là, ouais. on voit en vidéo derrière, c'est le logiciel dont on va parler qui l'a fait, c'est avec ce logiciel-là qu'on a fait ça aussi. Euh, si on voit Nicolas Cage qui est une star d'internet, hein, qui est un vrai mème ouais. sur internet. Et donc là, ils sont amusés à mettre la tête de Nicolas Cage dans, dans plein de films de plein de grand film hollywoodien là, voilà mais il est ce qu'il joue, joue bien alors il, il joue il joue à peu près comme <laughs> le jouait euh, comme le jouet euh, harrison ford mais <laughs> même si même si euh, même même si effectivement on l'entend pas trop parler dans ses extraits euh, bon, ah oui, alors, donc là à gauche c'est un faux nicolas cage c'est ça euh, celui, de, celui, de oui, droite. celui de droite celui de droite ah, à faux, gauche si c'est le vrai à droite c'est le faux ouais, si ouais là, là il n'est pas terrible terrible quand même hein. alors il y a effectivement des plus des, des résultats plus ou moins bons ouais. euh, mais en tout cas ça commence à faire beaucoup parlé c'est dit fake euh, et notamment alors euh, tu parlais de Reddit effectivement ouais. Reddit vient c'était hier soir je crois a, a fini par fermer la communauté qui commençait à s'amuser il y avait il y a quand même des dizaines et des dizaines de personnes voire des centaines de gens qui commencent à s'intéresser à ça mm -hmm. Reddit a fermé sa, son subreddit hein, comme on les appelle pour euh, en fait euh, dire aux gens stop vous arrêtez tout de suite ouais, parce que histoires ça pose de des de problèmes euh, juridiques quoi enfin, c'est ça, ça pose un énorme problème il y a aussi un, un site un site euh, un site pornographique très célèbre qui a, qui fait la chasse désormais à tous ces deepfakes parce que voilà ça, ça peut embêter pas mal de gens quand même euh, mais là en fait la technique se répand et pourquoi elle se répand euh, parce qu'en en fait effectivement on a pu regarder un peu comment ça fonctionnait il euh, y a une application qui qu'ils utilisent qui, qui s'appelle utilise, Fake App. D'accord. Alors euh, oui. Cette application, c'est applica avec cette application qu'ils qu réussissent à faire ce genre de vidéo. Euh, avec plus ou moins de bonheur, on l'a vu, mais quand même, c'est assez efficace. Euh, c'est une application qui est très jeune. On ne sait pas qui est vraiment derrière. On mm -hmm. sait que c'est un collectif. On ne sait pas vraiment qui est derrière. Euh, il y avait une V1 qui marche, qui était... Très compliqué à utiliser, etc., qui a été mise à jour il y a quelques il y a quelques quelques jours là, en une v2 qui est déjà beaucoup plus simple Mais à en utiliser. En gros, c'est quoi le principe Alors, comment ça fonctionne Alors, comment ça fonctionne Ça fonctionne en fait grâce à Google. Euh, merci Google. Ouais, <laughs> euh, non, ça fonctionne grâce à, à TensorFlow. TensorFlow, c'est une, on va dire, c'est un outil de machine learning qui a été fourni par Google en 2015, je crois, mm -hmm. si je ne m'abuse. À tout le monde et tout le monde utilise aujourd'hui Twitter, Facebook. Les, tout, il y a énormément de gens qui utilisent ce, ce, cet outil de machine learning qui permet en fait euh, à, à votre ordinateur d'apprendre en fonction d'un set de données que vous allez lui fournir apprendre à, euh, à notamment à euh, imiter alors on a vu on a vu beaucoup d'applications de, de, de tensorflow mais là en l'occurrence euh, tensorflow permet à votre ordinateur d'apprendre toutes les facettes d'un visage pour oui. l'intégrer ensuite à une vidéo donc euh, donc c'est 3D enfin, donc, que... en, en fait comment ça marche ce, ce, ce logiciel il suffit euh, de récupérer beaucoup d'images, tout un dataset ouais. en fait, du, de, du visage d'une personne. Là, on le voit, par exemple Nicolas Cage, en l'occurrence. Euh, Évidemment, oui, vous essayez d'avoir des visage. stars, c'est assez facile. Exactement, c'est très facile quand c'est une star, mais même quand on passe un petit peu souvent sur Internet, méfiez-vous, Jérôme, quand même. Euh, non, non, <laughs> non, 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 moi, vous n'arriverez pas à <laughs> me... Mais... Ou alors, suffit, si, si c'est pour moi, su... dans un film de Nicolas Cage, à la ah, place de Nicolas Cage, ça, ça je veux bien, ouais. Mais, euh, mais euh, effectivement, il faut avoir euh, à peu près 10 000 images. 10 000 images, alors, sous, sous tous les profils, avec différents angles, avec différents, des, différents éclairages. Euh, une fois que vous avez toutes ces images-là, vous allez entraîner en fait, l'algorithme le, 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 pour qu'il qu réussisse à avoir un, un visage, on va dire, modélisé correctement dans toutes les, dans toutes les positions. Puis ensuite, vous allez euh, indiquer sur quelle vidéo vous allez tout simplement in euh, inclure ce visage. Mais après, les expressions de visage qu'on voit, euh, elles sont faites par qui par le, le, par, le par le visage d'origine En fait, en gros, l'algorithme va mixer vidéo la, la vidéo cible on va dire avec le visage qui a été entraîné donc. donc à la fin effectivement il y a, ya plus ou moins de succès en fonction de la qualité du dataset de départ mais c'est comme ça que fonctionnent tous les c'est comme ça par exemple que google au bout d'un au bout d'un certain temps s'est distingué le chat d'un chien ou différentes ouais, bien sûr. De... mais Cette... n'importe qui peut faire ça Eric euh, c'est à la portée d'à peu près n'importe qui il faut une bonne machine parce qu'il faut une carte Nvidia absolument euh, il faut une carte graphique assez puissante ça prend du temps parce que évidemment Combien il faut temps on va on... Alors sur le calcul, je ne pourrais pas vous dire. En re... Ça dépend vraiment de la machine. En revanche, pour euh, tout les... le process, euh, le process on va dire, de, de création, je pense qu'il faut à peu près une bonne demi-journée de travail. Ouais. Euh, mais une demi-journée de travail suffit. Alors, euh, et, et c'est vrai que c'est... Euh... Alors il y a un autre exemple qu'on n'a pas là, mais euh, qui montre qu'en en fait, euh, on peut très facilement si on le fait bien, avoir des résultats presque dignes d'un film de cinéma, d'un trucage cinématographique. Donc c'est là où on se dit, ok. Oui, parce que mais ça, Hollywood le fait le faisait depuis longtemps. Bien sûr, bien sûr, ce sont des... ce sont Il euh, y a des processus de trucage vidéo ouais. qui, qui évidemment fonctionnent. Mais là, la nouveauté, c'est euh... qu'ils font appel à l'intelligence artificielle et que ça fonctionne simplement avec une machine que n'importe qui euh, peut acheter avec un coût de zéro, puisque le TensorFlow est gratuit. Ouais. Euh, enfin un coût de zéro, il faut une carte graphique, un PC. <laughs> et les dans cette séquence. Mais <laughs> mais euh, <laughs> en plus mais... il est rajeuni et tout, c'est génial. <laughs> c'est incroyable. Mais, euh, mais Eric derrière ça, alors il y a, a l'aspect technique qui est, qui, est, qui est incroyable, mais alors ça ouvre la porte à n'importe à, à, tout, oui, à tous les abus. Exactement. Ah, on peut, ça on peut... y est, donc demain il y aura des vidéos euh, de toi, de moi, euh, disons faisant n'importe quoi, si... trafiquer. Et, et, euh, et effectivement, aujourd'hui on parle de, 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 de porno et effectivement les, les sites porno commencent à faire la chasse à ça, etc. Mmh. Mais demain... Ah, évidemment... le porno n'est pas d'accord, l'industrie du porno n'est pas d'accord. Non, et puis surtout, et surtout, en tout cas, les distributeurs qui, qui peuvent être très embêtés par les gens qui sont, on va dire, « plagiés ». Bien sûr, qui, guillemets, qui vont porter plainte. Euh, et qui mais ça pose, ça pose d'autres questions, notamment par exemple sur les fake news. C'est vrai qu'on peut très bien, il y a d'ailleurs eu des expérimentations avec des logiciels beaucoup plus compliqués, mmh. euh, qui ont déjà fait, par exemple, euh, citer un discours d'Obama à Trump, ouais. par exemple, avec une... Avec une avec, avec, comment dire, des mouvements de lèvres ouais, parfaitement ouais, ouais. Euh, parfaitement. Donc si on mixe regard, les deux, euh, et, le nouveau visage, la voix qui est collée dessus, enfin c'est 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 juste le début, je pense, de quelque chose qu'on va voir arriver ouais. euh, dans les années qui viennent. Avec la, la, comment tous ces algorithmes vont être évidemment peaufinés, la, cette application fake app va clairement être de plus en plus simple à utiliser. Je pense que dans quelques dans quelques mois, on aura une version qui ira automatiquement chercher vos images, etc. Euh, mais et, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir vraiment s'attendre demain à vérifier si euh, une vidéo qu'on nous montre euh, est vraie ou est fausse. Vrai ou fausse ouais. euh, et d'ailleurs, l'IA aussi peut nous aider à ça, parce que maintenant, évidemment, une bon, IA mais... pourra vous dire si cette vidéo est vraie bon. ou fausse. S'il bon, y a Nicolas Cage euh... dedans, déjà, c'est que c'est faux. Que faux. <laughs> bon. Mais en tout y cas, c'est passionnant, ouais. et je pense que, et je pense que toutes ces toutes ces fausses vidéos là, on va en voir, mais euh, là, le, le terme de deep fake n'existait pas il y a quelques ouais, mille, ouais ce qu'il y a quelques semaines euh, et là vous regardez des tutoriels sur un sur youtube vous avez des, de 150 personnes qui commandent pour euh, savoir comment on fait telle fonction comment ah, on voilà, fait ceci comment on fait cela parti. donc euh, voilà je pense qu'on est bien parti par pitié ne faites pas n'importe quoi ouais, si tu imagines tu fais un discours de donald trump qui dit j'attaque la corée du nord ce soir par exemple oui, balances, oui 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 hein. non mais il va non, falloir mais... euh, bah, vous pas pas. Comment... Non, ah, non, mais... Mais... comment déclencher une guerre mondiale, euh, voilà oui enfin non, pense, non, il y a quelques je... sécurités on voit bien qu'aujourd'hui les états euh, commencent plus ah, en plus à réfléchir mais disons, Non mais de peut C'est typiquement le genre de choses qu'on peut imaginer. qui a parfaitement ouais, fait, ça pourrait être dans l'absolu euh, ouais, à fait. Merci beaucoup Merci. messieurs Eric, Raphaël, Raphaël, qu'on retrouve dans un instant pour euh, reparler de smartphone. Euh, le Galaxy S9, qu'attendez-vous le plus de ce nouveau smartphone qui devrait être dévoilé euh, dans quelques semaines. Smartphone vedette de 2018, c'est la question 0Net Orange du jour. Vous pouvez voter, vous allez sur www0 et vous nous dites ce que vous attendez le plus. Un nouveau design, une nouvelle intelligence artificielle, un nouvel appareil photo, etc. etc. Voilà, et euh, c'est comme d'habitude la question 01Net. Dans un instant, tout de suite, on sait, on est déjà en retard, on passe au labo dans 01 Live. Bon, voilà, François Sorel n'est pas là et pourtant on est en retard. François, si tu nous regardes de loin. <rire> <rire> Salut Emric Siméon. Bonjour Ça va bien Ça va. Emric c'est notre monsieur PC et il est tout content Emric parce qu'il a reçu... Un nouveau portable qui est quand même... Euh, c'est la nouvelle version d'un produit qui a déjà fait euh, beaucoup de buzz parce que c'était vraiment quelque chose d'assez quali. Hein. C'est ça, en fait c'est la toute nouvelle version du Dell XPS 13. Alors c'est la version qui a été annoncée au CES mm -hmm. voilà, il y a quelques semaines. Donc on l'a déjà, parce qu'en fait, bon, pour la petite histoire, Dell généralement, quand ils annoncent un, nouveau, euh, un nouvel XPS 13, deux trois jours après... On peut déjà l'acheter aux états unis mais là, bon, bah, la, la France a été, a, ah, été oui, a été pas ah, mal bah, servie aussi rapidement. Donc on peut clair. déjà l'acheter hein, sur le site français, il est disponible. Donc, voilà. donc XPS 13, ça veut dire 13 pouces, on est d'accord Voilà, alors en fait, il y a une petite astuce, ah. c'est que le châssis, le boîtier, a des dimensions comprises entre celles d'un boîtier 11,6 et 12,1, mais mm -hmm. effectivement la dalle est, est une dalle 13,3 pouces. Et euh, la nouveauté aujourd'hui, c'est que... Euh, Dell a réussi à mettre une vraie dalle 4K à l'intérieur. Voilà, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, on se limitait au QHD, donc 3200 par 1800. Et là, on a, euh, Dell, a réussi à passer au 4K. Alors, sur certaines versions de la machine, toutes ne le sont pas. Mais mm -hmm. néanmoins, euh, voilà, c'est possible pour ceux qui ont envie de se faire plaisir. Et puis, bien sûr, à l'intérieur, on a euh, bah, les processeurs de toute dernière génération, Intel, euh, les corps de 8e. C'est voilà. un PC qui est plutôt orienté quoi euh... alors, On ne peut pas dire que ce soit un PC de gaming. Ah, à... pas vraiment. Ah, vraiment oh, hein. C'est un grand travailleur. Malgré son bal écran 4K. Euh... C'est ça. Bah, alors, on va pouvoir regarder des films sympathiquement quand ouais. même dessus. Mm -hmm. Mais c'est quand même un grand travailleur c'est un pc qui est fait pour faire de la bureautique hein, on va pas se cacher euh, et puis euh, surtout nous euh, bon on n'est pas toujours enfin me concernant je ne suis pas toujours très objectif sur les espèces 13 parce que j'ai réussi Pourquoi à en faire à en acheter plusieurs aux mmh. membres de la rédaction parce que c'est vraiment des machines qui euh, dans le monde pc mmh. euh, surprennent par leur autonomie ce sont des machines qui généralement décrochent. Surtout pour ce volume-là, parce qu'il n'est pas gros. Hein. C'est ça, il est, il est vraiment il est, pas gros. Il est super fin. Hop, on va le montrer à la caméra, mais il est très fin. Alors Dell a, a réussi à gagner en finesse parce qu'ils ont fait un sacrifice, euh, alors que moi je trouve dommage, c'est qu'on n'a plus que de l'USB type C. Ah, sur la tiens. machine. Voilà. J'ai déjà vu ça plus, quelque part. Il n'y a plus de... de comment dire, hop, hop, on ouais. le là Comme, comme ça. sur les Macs, comme sur les nouveaux Mac Voilà, c'est ça en fait. Mmh. On n'a plus que de l'USD. Il y a encore un slot pour une carte mémoire là, Voilà, il y a un slot pour une carte micro ça. SD, alors qu'avant on avait de la SD. Ouais, bah, bon, que voilà. voulez-vous C'est un peu compliqué. Que voulez-vous, mon bon monsieur bah, euh, j'aurais aimé la même chose, mais avec une prise USB euh, 3 normale Voilà. Bon, euh, il tient la route au niveau perf, donc euh... Alors, au niveau perf, il tient vraiment bien la route. On avait qu'une peur, c'était que, compte tenu de la finesse euh, du boîtier, mm -hmm. euh, le processeur a un peu tendance à chauffer et donc à réduire ses fréquences pour maintenir la cadence. On n'a pas du tout, euh, on n'a pas du tout ce phénomène-là. Euh, et puis surtout, on a été encore une fois époustouflé euh, par l'autonomie, puisque la bête tient jusqu'à quasiment 13 heures ah ouais 13 heures. dans nos protocoles ah. donc qui sont quand même généralement pas les protocoles de l'industrie mmh. qui sont bien même bien musclés ils sont voilà méchant et on est arrivé à atteindre j'ai le chiffre exact 12h54 ah ouais, c'est bien, bien. Euh, sur, sur sur cette nouvelle génération oh, super le prix emric alors à partir de 1330 euros à peu près à partir de à partir de mmh. voilà Après, ça, ça monte, monte. jusqu'à combien euh, plus de 2000 à partir du moment met du 4k i 7 plein de plein de ssd etc mmh. forcément on fait grimper l'addition ouais. Mais euh, ça, ça vaut le coup. En tout cas, la version que nous on a reçue, c'est la version la plus abordable. Donc le test sera bientôt à retrouver sur Internet. Super. Voilà. XPS 13, très jolie machine, très joli petit PC. Merci beaucoup Emeric. Allez, bien. revenons euh, à nos amours, c'est-à-dire les smartphones. Oui. Nos autres amours, euh, tout à l'heure on parlait du futur S9, là c'est du tangible, hein. euh, c'est le nouveau HTC euh, Raphaël. Oui, c'est le HTC U11. Celui-là il est sorti, celui-là il est sorti. Alors, il est sorti, euh, il a été mis en vente sur le site d'HTC, mm -hmm. il est en rupture de stock et il va ensuite revenir là chez les opérateurs. Donc ils ont fait une sortie un peu bizarre en deux, deux temps, mais donc il va revenir en magasin. Donc ça c'est le HTC U11 Plus. Donc en gros pour ceux qui connaissent le HTC U11, c'est le même quasiment. Euh, mais avec un écran euh, 18 9 c'est-à-dire avec un écran panoramique et euh, avec des bords euh, beaucoup plus fins. Euh, moi, j'ai vraiment aimé euh, ce smartphone. Je pense que c'est le smartphone que HTC, idéalement, aurait même dû sortir l'année dernière. Mmh. Euh, il arrive un peu tard, c'est vrai, mais c'est vraiment un super, euh, un super appareil. Moi j'aime beaucoup le design déjà. Un peu salissant, c'est vrai, tout en vert mais euh, vraiment très très élégant. La puissance, alors c'est forcément le Snapdragon 835, donc c'est le processeur le plus puissant actuellement. Euh, en fluidité, on est parmi les meilleurs. On est presque aussi bon que sur un OnePlus 5T, sauf que celui-là, il est en quad HD. Le OnePlus 5T est en full HD, donc on a une résolution plus importante et on arrive à une fluidité vraiment exemplaire. Et surtout, ce qui nous avait vraiment bluffé sur le HTC U11, c'est la, la photo. La photo. Ouais, ouais je me souviens que tu étais complètement emballé la alors, première fois que moi tu Moi, j'étais emballé. Euh, Adrien était hyper emballé. Ouais. En qualité d'image pure, c'est le meilleur smartphone sur le marché actuellement à nos yeux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas mieux marrant, ça, hein. en photo. Ouais. Après, il n'y a pas que la qualité d'image. Il y a la vitesse d'autofocus, par exemple, qui est un peu moins bonne que, que chez le Samsung ou, ou que chez Apple. C'est-à-dire qu'en fait, bon, le S8, il est au-dessus des autres. Mm -hmm. On prend une photo en un quart de seconde, elle n'est pas floue, la mise au point est parfaite. On rate rien. L'iPhone c'est quand ouais, même, même si vraiment on est là, on en diamant, voilà. on devient beau, euh, voilà. Voilà. Non, Sur l'iPhone c'est hein. moins bon que chez Samsung, mais ça reste excellent. Là chez HTC c'est moins bon. Donc pour déclencher la photo c'est un peu plus long. Par contre dans de bonnes conditions, on prend une photo en plein jour, vous prenez le HTC, l'iPhone, le Samsung, le HTC il est exceptionnel. Ah ouais. Alors on est à la marge encore, je veux dire, c'est des bonnes photos dans tous les cas, on est parmi les excellents, ouais, ouais, que ce soit chez Apple, c'est excellent chez Apple aussi. Mais là, moi, c'est impressionnant. Franchement, en photo, bien, le HTC super. est juste euh, voilà, génial. Euh, 6 Go de mémoire vive et mmh. 128 Go de stockage, donc c'est quand même pas mal. Ouais, et puis euh, toujours les traces de doigts. Et le, Alors et, les traces de doigts, et, et, forcément. Alors le capteur, et euh, eh bien oui, puisqu'on a un écran 18-9e, donc eh le oui. capteur il passe à l'arrière. Mmh. Moi personnellement, ça ne me dérange pas du tout, mais comme il n'y a pas de reconnaissance faciale, c'est vrai qu'il faut du coup s'en servir du capteur ouais. d'empreinte euh, digitale. Après, il y a quelques petits bémols quand même. L'écran qui aurait pu être plus lumineux, qui n'est pas très lumineux. Euh, en, voilà Quand on l'utilise en plein soleil, on peut du coup avoir un petit problème de lisibilité. Euh, L'autonomie, allez. On va dire en progrès par rapport à celle du HTC11 qui était très médiocre. Là, c'est correct, sans plus. Bon, on tient la journée. Quoi. Ouais, une journée. On tient ouais. la journée, mais à la fin de la journée, on peut être un peu limite. Et pas de prise jack, Tiens. Euh, voilà. Ça, moi j'aime. Ça m'embête un peu. Il n'y a pas, ce prix bah, y a pas de prise jack, c'est un parti Il n'y a, a pas de bénéfice évident. quoi. Voilà. Alors le son, comme souvent chez HTC, est excellent. Euh, que ce soit les écouteurs ou le son qui sort directement du smartphone, c'est excellent. Mais après, finalement, alors, je précise, il coûte 800 euros quand même. On parle d'un smartphone très haut de gamme le prix du S8. Ouais, 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 ouais. Sauf que euh, là où il va y avoir un petit bémol, c'est qu'il sort maintenant, mais que dans un mois on a le S9. Oui. Dans deux mois, on a le Huawei P20. Donc, on va avoir encore une nouvelle génération. Donc, c'est concurrent. C'est les smartphones de 2018. Donc, il faut voir, en photo, il est tellement mmh. bon que peut-être qu'avec une petite baisse de prix, à les 100 150 euros en moins, ça pourrait vraiment valoir le coup. Mais euh, c'est sûr qu'HTC va être un peu handicapé par ce, ce retard. Ouais, bien sûr. La concurrence est rude. Parfait. Le test... A... Il est en ligne. Le Et test, un, est en le ligne test écrit, là. en test détaillé sur 0net.com, bien sûr. Merci beaucoup Raphaël. Et, bien, euh, et maintenant, on va parler, je vous le disais en titre tout à l'heure, d'une un, innovation, euh, vraiment d'une innovation qui nous concerne tous, parce que ça c'est peut-être le premier pas d'une nouvelle histoire euh, de l'high-tech. N'est-ce pas François Bedin Bonjour. Je veux parler de ce nouveau matériau. On nous dit depuis des années que ça va être révolutionnaire, mais on ne le voyait pas arriver. Et voici la première batterie qui euh, intègre du graphène. Qu'est-ce voilà. que c'est que le graphène Alors, le graphène, c'est une molécule à base d'atomes de carbone et euh, qui est utilisée dans pas mal euh, de, de situations. Alors, on peut la trouver par exemple dans les pneus comme dans les batteries. Et c les, mmh. actuellement, les chercheurs cherchent justement à utiliser du graphène pour améliorer les batteries lithium-ion existantes. Et donc là, ce que je tiens dans la main, c'est la première batterie qui est vraiment d'accord qui est une batterie lithium-ion, hein, ce n'est pas une batterie euh, au graphène, mais c'est une batterie où on a rajouté un petit peu de graphène pour améliorer les performances. En particulier, surtout, c'est la charge de la batterie qui va être importante, puisque là, cette batterie-là, qui est une 6000 mAh, mm -hmm. normalement, il faut 3 heures pour charger, pour les batteries normales, ouais. on la charge en 30 minutes. Ah ouais, Ce qui fait vraiment un, à 100 un différentiel monstrueux. À 100% Parce oui. qu'on sait que les batteries, elles se chargent très vite, jusqu'à 80-90%, y compris pour les batteries de voiture. Et puis, c'est les derniers pourcents qui sont Alors, les plus longs, en ça, fait. Ça, c'est hein. un prototype qu'on a eu par une société qui s'appelle Elecjet. Et euh, on a essayé de la charger, effectivement, à 100%. Mmh. Vers la fin, on a eu des problèmes. Par contre, on a refait la même expérience en la rechargeant d'abord à 50% et après de 50% à 100%. Et là, par contre, on l'a fait en deux fois 15 minutes. Donc, on est vraiment arrivé aux 30 minutes... Euh, alors après sur l'autonomie, ça n'ajoute pas de l'autonomie. Est-ce que par exemple, ça... Non, alors là, c'est euh, une... Donc ça, c'est une 6000 mAh. mAh c'est ce, à peu près euh, la taille d'une... Par exemple, c'est... tout à fait, ouais. euh, ça, ça ne va rien changer, euh, ni au niveau de l'autonomie, ouais. ni pour charger d'autres appareils. Bon, celle-là, elle est un peu particulière parce qu'elle est compatible avec un standard de Qualcomm qui s'appelle Quick Charge. Ouais. Mmh. Et donc, si on la branche par exemple sur un Galaxy S8 de Samsung, on charge complètement le Galaxy S8 en 1h30, mais ça... Le chargeur standard de Samsung le fait aussi. Donc ce n'est pas mmh. sur ça que ça va jouer. C'est sur le fait de pouvoir recharger ah, la sûr. batterie. Et est-ce que ça, est-ce que ça pourrait se généraliser ça sur les batteries, sur les autres batteries euh, Ça va bah, pas je, trop je cher. Sais ça, les, ça... Je sais que les chercheurs de Samsung bossent dessus, mais après il bon, euh, y a peut-être effectivement des problèmes de coût, des problèmes de fabrication. Il y a tout combien, de. Combien celle-là Alors celle-là, elle est vendue. Euh, en, on va dire en, en offre promotionnelle, on la, elle coûte 60, environ 60 euros, ce qui est tout à fait raisonnable. Oui, donc elle n'est pas donc, plus chère. Mais -là, bon, là, on a pour, la batterie, on a le euh... câble. Par contre, on n'a pas le chargeur. Le chargeur, il faut l'acheter à part ou le prendre dans un lot. Euh, D'accord, mais c'est un chargeur classique. Alors là, en l'occurrence, moi, pour pouvoir vraiment la charger assez rapidement comme ça, il faut utiliser un chargeur de 60 watts. En USB type C. Euh, Apple en fait, et moi, on m'en a fourni un qui permet justement de réaliser l'opération. Si on met un chargeur de 45 watts, ça chargera évidemment plus lentement. Très bien. Batterie au graphène. Le graphène, on pourrait en trouver dans d'autres produits je crois que euh, moi j'avais pensé effectivement je fais aux pneus, dans les pneus, pour oui, euh, mais alors les pneus. Mais, voilà, mais, p... mais après, bon... Euh, les pneus pour téléphoner, tout ça, voilà, pour ça recharger ça les smart choses, c'est pas terrible. Et pour l'instant, euh, euh, on en parle beaucoup au niveau des ouais, batteries. Ouais, puis pour, les pour les écrans si je crois, pour les, faire des écrans souples et des choses comme ça. A priori, des... c'est extrêmement euh, difficile à... Alors ce qui est rigolo, c'est qu'à priori, le graphène est très proche de ce qu'on appelle le graphite qu'on peut trouver naturellement. C'est ouais. les, les points de crayon. Hein. Mais le graphène, le graphène c'est quelque chose qui est, je crois, complètement plat et très très difficile à fabriquer. Donc ah c'est pour ça d'ailleurs qu'ils n'en mettent que très très peu parce qu'à mon avis le coût de fabrication il doit être quand ouais. même assez important. C'est les Anglais qui sont à fond là-dessus, hein, sur, cette, sur, cette, sur ce matériau, sur le graphène. Voilà. Donc là, en l'occurrence, c'est une société qui s'appelle Elecjet, et qui a sorti la, la première. On peut la, donc Il y a eu une première phase de financement participatif, mm -hmm. ils sont en train de livrer. Et là, ils ont refait une deuxième phase de, de précommande de, de cette batterie. Voilà, la batterie qui se recharge en euh, 30 minutes. 30 minutes pour 6000 millions Merci beaucoup François Baudin. Merci. Merci également Raphaël. Euh, un dernier mot à propos du Galaxy S9, c'est la question du jour, question 01net Orange. Vous pouvez voter, vous le savez, vous allez sur www.0nettv.com et vous nous dites ce qui vous ferait le plus plaisir sur le nouveau Galaxy S9 qui sera présenté à Barcelone prochainement. Est-ce que c'est un nouveau design, un nouvel appareil photo, une nouvelle intelligence artificielle Tiens, On n'en a pas parlé tout à l'heure. On aura l'occasion de s'étendre là-dessus sur Bixby. On attend toujours Bixby en français. Hein. Ou bien une prise jack. Mais Raphaël a déjà un petit peu répondu à ça. Euh, a priori, la prise jack, elle y sera toujours. Hein. Normalement, oui. Normalement, oui. Bon. Voilà. Et a priori, ce sera plutôt du côté de l'appareil photo qu'il faudra regarder. Très bien. Merci messieurs, merci à tous, merci à Jean-David Duarte, Pierre Thiolin, Thomas Romiret et puis merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve euh, naturellement jeudi prochain avec mon camarade François Sorel qui sera de retour et puis rendez-vous, notez déjà sur vos tablettes euh, le 26 et le 27 je crois bien, on vérifiera, on sera en direct de Barcelone pour vous faire vivre. Cette édition 2018 du Mobile World Congress de Barcelone, c'est l'un des grands rendez-vous annuels, évidemment, consacrés à la tech et en l'occurrence à la mobilité. Il est 18h34, on n'a pas trop débordé. Salut à tous, à bientôt.